Alors, mon cher Sango, Miss, mon cher grand frère Sadrak, oui. Nous avons dans cette émission désormais une rubrique qui nous permet de valoriser. Parce que tout à l'heure, tu valorisais le Cameroun. Oui. On a décidé de valoriser le plus beau pays du monde. Les institutions camerounaises. Et pour, au chapitre d'aujourd'hui, c'est le BIR que nous allons aller découvrir dans cet élément que nous propose la régie. Bien, mon commandant, je vous ai fait appeler ce matin là parce qu'on a un souci dans le nord-ouest. Il y a le pont sur la rivière Katsina qui a été saboté, on va dire, véritablement saboté par les terroristes. Et ça crée un véritable problème pour les populations de Furuawa qui ne réussissent pas à rejoindre Oum. Les moyens de fortune que nous avons mis ne suffisent plus. Voyez avec le génie, avec notre cellule génie, ce qu'on peut faire pour établir un pont là-bas. Ça va permettre à ces populations-là de couler leurs produits de Furu à Wavermoum et vice-versa. Et bien évidemment, ce sera également important pour nous pour qu'on puisse faire des patrouilles sans trop souffrir, d'accord, pour mieux les sécuriser. C'est très important, je tiens à ce que ça se fasse le plus tôt possible. Oui. Est-ce que dans la planification et la préparation de la mission, j'ajoute des ACM, des distributions de denrées? Oui, absolument. Il faudra faire des activités civilo-militaires. Regardez qu'est-ce qui manque là-bas comme denrées qu'on peut donner à ces populations-là. Et surtout, la cellule psychologique doit également y aller pour leur expliquer le bien fondé de ce que nous faisons là-bas et leur montrer que nous sommes là véritablement pour leur sécurité. Non pas seulement leur sécurité, mais également leur bien-être. Oui, c'est très important. Une dernière question, quel est le degré d'urgence? C'est très urgent. Je vous donne 72 heures pour faire toutes les reconnaissances, n'est-ce pas? Et me donner tous les états de besoin pour la réalisation de ce projet. Priorité, ce sera d'abord la réflexion du pont. D'accord? Merci. Priorité 1. Et puis 2, ce sera ACM. Ça, c'est pas bon. Merci. Ok, merci bien. Vous me rendez compte. Merci. Ok, à tout à l'heure. Appelez-moi le chef de bataillon encore. Bien. Thank you.
Alors donc, dans cet élément, on a compris que le BIR n'est pas seulement là, est déjà là pour la sécurité des populations, mais le BIR joue aussi un rôle pédagogique. Donc, le BIR qui a en son sein bien, hein. Ce qu'on appelle la cellule psychologique de sécurité. Alors donc, il faut comprendre, il faut tout simplement dire que les populations du nord-ouest, du sud-ouest, du Cameroun entier doivent collaborer avec les forces de l'ordre pour assurer la sécurité de la nation.